Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre dans le cadre de l'étude des grands principes qui gouvernent la mondialisation, le chapitre 3 sur la Chine. Nous avions vu la section 1 et maintenant nous passons à la section 2, la route de la soie. Ou The Bell, la ceinture. Donc, une page publicitaire pour le projet chinois de 2019. C'est tiré d'une page publicitaire. Forum Pékin, d'accord, Belt and Road Initiative. Bon, des centaines de pays, dont des chefs d'État. Donc, il y a eu beaucoup de monde qui est venu. La deuxième réunion du Forum Belt and Road Initiative pour la collaboration internationale se tient à Pékin avec une centaine de pays, dont des chefs d'État. Donc c'est très largement public. Voilà le dragon chinois qui tisse sa toile en quelque sorte, hein, jusqu'à Berlin. Voilà. En 2013, le projet a été présenté pour la première fois par le président chinois. Donc, en quelques années, les Chinois ont tracé des routes, des lignes de chemin de fer, des lignes maritimes aussi, The Belt, voilà. Et ça fait le tour du monde. Ça continue donc, détail. Le projet est contre le protectionnisme et l'isolationnisme. Il est pour la paix, disent les Chinois. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Entre la parole et la réalité, il peut y avoir un hiatus. Bon. 124 pays ont signé des accords de coopération. Pont, accès aux mers, lignes ferroviaires. Oui, c'est bien de signer des accords, mais il faut bien lire ce qu'il y a dedans. Surtout les petites clauses. Ensuite, au Laos, l'électricité est arrivée et remplace la lampe à pétrole. Très bien. En Allemagne, le port de Duisbourg, qui était à la baisse, fait des bénéfices. Bon, avec les investissements chinois. La Russie, la Chine, c'est l'époque préhistorique, avait des liens avec la Russie, bien sûr. Il va de soi que c'est une vieille antienne, en quelque sorte, l'amitié sino-russe. À la vérité, quand on étudie la question, les litiges frontaliers ont toujours existé dans l'extrême grand nord russe avec la Chine, et des batailles sévères, voilà, voir les vidéos. Que j'ai composé sur la Russie. Vous pourrez voir dans le bassin de l'amour du côté de Vladivostok aussi toutes les batailles qu'il y a eu entre la Chine et la Russie. Sans compter le tigre qui a été mangé par les Chinois et qui subsiste encore en Russie, sous l'influence et la haute protection du président Vladimir Poutine. L'affrontement maintenant. L'affrontement. La source est le Forum de la sécurité à Singapour. L'affrontement USA-Chine. Alors, point de vue chinois, le droit international n'est pas la voie. La Chine ne reconnaît pas le droit international. Elle a dit que le droit international n'était pas la voie, mais que le réalisme était les préoccupations de chacun. Le réalisme, autrement dit, c'est la négation du système occidental, des lois, du droit, etc. Bon, faut savoir, c'est la voie de la force, en quelque sorte, là. Ensuite, en mer de Chine, l'occupation des îlots n'est pas une militarisation car on ne militarise pas chez soi. On joue sur les mots là. À la vérité, c'est une avancée,
C'est une avancée chinoise dans ces atolls, dans ces îlots qui sont devenus des atolls, qui sont devenus par l'apport de matériaux de véritables îles, voire des archipels avec pistes de décollage pour des avions et ports maritimes pour les bateaux. Bon. Ensuite, au Xinjiang, où plus d'un million d'Ouïghours musulmans sont internés, il n'y a plus de terrorisme, ça va de soi, puisqu'ils les ont presque tous fusillés, en quelque sorte, ou pendus, ou autre. Voilà. Tiananmen, 1989. Pour la Chine de maintenant, les mesures prises jadis étaient appropriées. La photo la plus célèbre du monde, presque, c'est cet étudiant qui se place. Qui se place face aux blindés du pouvoir. Voilà. Et la révolte des étudiants, forcément, les étudiants revendiquaient la liberté. Voilà. Le pouvoir n'était pas d'accord. Donc, bon, Tiananmen n'a pas eu de suite, hein. La force a écrasé la liberté. Voilà. Voilà. Liberté. Les blindés. Ça, c'est, je redis, hein, une des vues les plus célèbres du XXe siècle. Tiananmen 89. La Chine juge infondées les critiques occidentales sur le vol de propriété intellectuelle. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont plaintes. Bon. Ben pour le pouvoir chinois, c'est pas vrai. Bon. Ensuite, les USA ont bloqué l'accès des géants chinois des télécommunications Huawei au marché américain et tentent aussi de l'empêcher d'user de composants USA. Ouais. Huawei, il faut savoir que il n'y a pas d'entreprise véritablement privée en Chine, mais que c'est il y a toujours quelqu'un du parti qui dirige Huawei. Voilà. USA. Le ministre de la Défense USA dit que des pays usent d'une rhétorique amicale pour masquer des actes non amicaux. Hey. Sans doute une vérité. Hitler lui-même voulait la paix en permanence. Hein. Hein. Il n'a jamais parlé de guerre. Mais toujours de la paix, de la paix, de la paix. Voir les accords de Munich. Voir ensuite ce qui s'est passé. Hein. La stratégie Indo-Pacifique, USA, désigne la Chine comme révisionniste et utilise la progression constante des petits pas. Ah, ça, c'est une constante de la politique chinoise, les petits pas. À petits pas, on avance. Voir dans la mer de Chine, les îles Shenkaku, etc., etc. Hein. Bon. La région Indo-Pacifique compte 2000 avions. 200 navires et sous-marins, c'est énorme, une concentration de moyens énorme. Il est prévu d'user des sous-marins de classe Columbia, dernière technique prévue pour plus tard. C'est des sous-marins donc de dernière génération. Voilà. Autre pays, le Japon, confirme l'achat d'F-35, des avions américains. Donc voilà, c'est très bien pour le Japon. Hein. Le Japon est au premier rang. Alors, Singapour, quand les lignes ne se croisent plus, c'est mauvais. Le ministre de la Défense inquiète, quand les lignes ne se croisent plus, c'est le chemin de la guerre. Et oui, quand ça diverge, quand les intérêts divergent, forcément. Oui, le ministre de Singapour a raison là aussi. Pour les pays de taille intermédiaire, la position de la France, qui n'a pas participé aux querelles, est utile. Oui. Il vaut mieux s'adresser parfois aux petits tigres qu'aux grands tigres. L'Institut français des relations internationales a beaucoup publié sur ces questions-là aussi. Vous pouvez vous connecter et voir les derniers livres, sans aucun doute, mais voilà un fonds documentaire. De cet institut.
Nous en avons fini maintenant avec la Chine. Vous observez que tout est classé par alphabétique et non pas thématique. Alphabétique, c'est plus simple. Donc nous passons donc au commerce industrie. Et voici, donc nous y sommes passés maintenant. Chapitre 4. Voici le plan. Je vais parler de la corruption, de la consommation, du travail, du capital, de l'opinion de l'Organisation internationale du travail, et puis ce que je n'ai pas pu ranger ailleurs. Voilà. Corruption. Corruption, voilà. Pot de vin, poursuite. Consommation. On va traiter de ça. Comme la fragilité du coût du transport pour cause du gazole. Le gazole en question, bon. Les fraises chinoises. 20 fois plus d'équivalent pétrole. Oui. Bon, et puis ensuite, pour le travail et le capital, un petit résumé sur Karl Marx. On verra sur la France, l'Europe, l'Inde et la Chine. Et l'Organisation internationale du travail, l'opinion d'un directeur de l'OIT, c'est très intéressant ça. Austérité, précarité, nationalisme, écologie. Il y a du pain sur la planche pour les idées. Voilà. Donc commençons par la section 1, corruption. Par premier, les pots de vin. En 2005, 36 États avaient interdit toute rémunération en vue d'obtenir un marché. Bon, ils avaient ratifié un texte interdisant la rémunération directe ou par le biais d'intermédiaires, d'agents publics à l'étranger en vue d'obtenir un marché. La Grande-Bretagne, le Luxembourg et le Japon avaient été jugés trop timorés pour la mise en œuvre des dispositifs anticorruption. Voilà. Il y a de la documentation aussi qui est parue sur ce sujet-là, sur les pots de vin, comme on dit. Les poursuites. Grand A. L'Organisation de coopération et de développement économique a fait un rapport. Un rapport. C'est du nombre encore trop faible de poursuites judiciaires lancées sur des affaires de corruption internationale. Si l'OCDE dit ça, modestement, je tiens l'OCDE pour une très bonne organisation internationale, très sérieuse, et c'est sûrement la vérité. Là. Pas assez de poursuites. La Banque mondiale a un pouvoir de sanction envers des entreprises qui n'intègrent pas des clauses de non-corruption dans leur contrat. Bon, elle a un pouvoir de sanction envers les méchants, en quelque sorte. Mais est-ce qu'elle le met en œuvre? Ouais. Selon la Banque mondiale, le montant annuel mondial des pots de vin payés s'élève à 1 000 milliards USD par année. C'est gigantesque, c'est gigantesque. Plaider coupable. Alors, aux États-Unis, le plea bargaining, plaider coupable, permet de négocier une sanction financière avec la justice en s'exonérant d'un procès. Donc, quand on a de l'argent, ça va. En s'exonérant d'un procès. Ça manque pas de documentation. Innocent, coupable. Si vous payez, ça va mieux. Vous n'avez pas de procès. On négocie. Voilà, maintenant, nous en avons fini avec la corruption. Nous venons de voir que, malgré toutes les mesures souhaitées, l'OCDE notamment juge qu'il n'y a pratiquement que très peu de poursuites, donc la corruption est une réalité très forte. Voilà. Nous allons passer dans une vidéo ultérieure à la consommation. Voilà. Eh bien, dans cette perspective, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Merci.